j'ai bon espoir d'avoir réglé à la perfection. Pardon. Oh, puis je viens de faire redémarrer la tablette. Oh, ça lui fera du bien la tablette de redémarrer. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je démarre encore tardivement ce matin, bien que ça doit faire déjà 2 heures que je suis debout. Mais souvenez-vous que je m'étais plaint d'un certain inconfort hier dans mon interface de diffuseur, dans la coulisse, dans l'écran secondaire. Et là, je viens de passer littéralement 1 heure à complètement remodeler. Et je viens de comprendre dans OBS, du moins dans la version que j'utilise, qui est une version modifiée d'OBS associée à Streamlabs, qui me permet de faire des habillages dynamiques d'alerte, etc. Comme si j'avais passé Voicebot, qui est un excellent robot. J'avais besoin de me réapproprier le logiciel, de réviser le potentiel, tout ce que je peux faire. Donc j'ai commencé à bidouiller, comme ça qu'on apprend, hein, mais autodidacte. Et je me suis rappelé que il y a, dans tout ce qui est modulable, il y a un module principal qui ne l'est pas, qui est évidemment le centre même de l'application, qui est le retour du signal vidéo lorsqu'on émet, ce qu'on nous envoie comme info sur Twitch, visuellement parlant, le retour vidéo du coup j'ai articulé tout autour de cet élément central imparable, mon interface, ce qui fait que je vois beaucoup plus naturellement le chat dans mon dit OBS sans forcément passer par Chatty. Et heureux d'avoir une communauté grandissante mois après mois avec le temps, ça me permet quand même de rester plus dynamique et plus attentif en fait à ce qui se passe au sein de la communauté. J'ai bon espoir que ce nouvel aménagement d'interface me rende encore plus moins mou du genou, on va dire ça comme ça. Que je sois encore plus réactif par rapport à vos diverses interactions. Donc du coup, il faut que je reprenne de nouveaux repères. Mais ce n'est pas pour me déplaire. Et encore, je suis pas sûr d'avoir toutes les subtilités. Je vois que j'ai une option de barre verticale. J'aurais peut-être pu glisser un truc sous l'écran de contrôle supplémentaire. Je prends le risque de le faire en direct. Et je serais tenté de contacter Jay. J'ai vu qu'il avait lancé sur le supermarché ensemble. Je sais pas s'il serait tenté de berger un serveur et que je le rejoigne. Attendez voir. Ah non, c'est l'élément que j'ai sélectionné qui s'appelle barre verticale, d'accord. Dans mes sources, oui. Là j'aurais pu dire le gâteau H machin et bon, ce qui pose problème en général, c'est la webcam qui lâche. D'accord, ok, j'ai mal interprété une donnée technique. Voilà, et là je vois pas mal de chat finalement, je devrais être plus à mon aise. C'est bien foutu. Je dois reconnaître que ça mérite ce qu'on prenne le temps de prendre en main. Lâchez mal à mes blagues. Ah! Tu as fait des bêtises dans mon écran secondaire. Vous ne voyez pas, mais c'est un peu n'importe quoi. Ah oh bah non! Il abuse le logiciel, il abuse. Il n'y a pas le droit de faire ça. Je veux pas. Ah, pas mal ma disposition d'écran secondaire. Mon dieu, je suis en train de faire une compression de fichiers en arrière-plan qui va durer plus de 9 heures. C'est pas comme si j'avais 64 gigas de données. J'ai une vie passionnante. Ah! Ah! C'est tristounet, je suis tout seul, loin. Mes copains m'ont pas repéré en ligne. Attends, je me permets de. Ah, National se fait du même Sky, il a bien raison. Il a bien raison. Bonjour, fan. Oui, tant que je t'ai en direct, j'y pense. J'ai refait leur cadrage dont je te parlais. C'est vrai que c'est parti trop en roue libre hier et puis j'ai un peu précipité là. De toute façon, il était minuit, c'était plus raisonnable comme heure de diffusion.
Ça revient un peu trop en roue libre, effectivement. Donc, j'ai recadré les choses, comme on dit. Ouais. Non, ça là-dessus, il y a des choses que je peux pas laisser passer. Autant, bref, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est la liberté d'expression qui se heurte à la morale et au bon goût. Et, entre autres choses, dont l'honnêteté intellectuelle aussi. Enfin bon. Donc, du coup, petit EJ. Je l'ai vu sur un jeu que, s'il accepte, j'aimerais bien l'accompagner. Ah merde, il est inactif. La plateforme me dit qu'il fait dodo. Bon, crotte. J'ai peut-être anticipé autre chose, finalement. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, il y a un jeu que je voulais tester, dont le public peut avoir des interactions. Le public Twitch. Alors, j'y vais à l'arrache. Hein. Je l'ai jamais lancé, donc je vais devoir tout configurer sous vos yeux. C'est golf... encore un jeu de golf. Mais celui-là, il est interactif, normalement. Il fait partie de ses propriétés qui font que je l'ai acheté. Ça m'a influencé dans le descriptif du jeu. C'est Golf quoi ? Golf Party, je crois. Oh non, Party Golf. Ah, je suis tellement habitué à avoir le mot golf en premier mot-clé du nom du jeu que... On va essayer. Je sais pas ce que ça va donner. Je pars dans l'inconnu en votre compagnie. Alors... Pouk. Chiki pouk, chiki pouk. Oh, il y aura sûrement un... Je coupe la zig parce qu'il y aura sûrement un générique qui va gueuler d'ailleurs. Comme j'ai pas réglé le son, ça a sûrement...